Tristan Banon, merci de faire un petit saut alors que vous étiez sur la scène de l'apostrophe tout à l'heure ici à Palexpo, fin de la première journée. Vous étiez en train, très gentiment, de faire des compliments pour notre consoeur. Marie Rumignani. Alors, on va vous féliciter. Rumignani. Oui, Rumignani. L'important, c'est la bienveillance. Vous ressortez d'un dossier qui a défrayé la chronique. On ne va pas revenir sur le passé. Vous venez d'écrire un ouvrage. On voit des PDF gratuits, mais on ne voit pas encore l'ouvrage. La guérison par les lettres d'amour, avec le mot qui ressort, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance. Comment êtes-vous bienveillante alors qu'on n'a pas forcément été bienveillante avec vous ? Déjà, je déteste l'aigreur. Mais depuis l'enfance, j'ai toujours détesté l'aigreur. Je n'aime pas les gens aigris. Je n'aime pas ressasser non plus. J'ai fait un livre où je disais ce que j'avais à dire sur ce qui m'était arrivé. Ça s'appelait Le bal des hypocrites. Ça portait bien son nom. Oui. On ne peut pas dire qu'on était vraiment dans la bienveillance non, dans ce livre-là. Non, non. Règlement de compte, mais légitime. Oui, et puis en revanche, j'ai toujours essayé de garder dans ce livre, sûrement pas une distance, mais en tout cas un cynisme et un humour quand même, parce que j'essaye de rire un peu de tout, même des choses les plus atroces. Mais pas avec n'importe qui. Surtout pas avec n'importe qui. Mais c'est un livre qui devait être écrit et lu à un moment donné, dont les recettes sont allées pour les femmes victimes de violences sexuelles parce que ça me paraissait évident. Mais après, on tourne la page, on passe à autre chose parce qu'on ne peut pas faire toute sa vie sur un malheur qui vous est arrivé. Surtout qu'il y en a des bien plus graves. Psychologiquement, je ne sais pas, parce que tous les malheurs sont compliqués psychologiquement suivant la façon dont on les vit. Mais enfin, quand on voit des gens qui finissent paralysés ou oui. Voilà, il y a des choses bien plus graves. Si eux arrivent à s'en remettre, on va avoir la décence de se remettre de nos petits problèmes du quotidien. Donc là, les lettres, alors c'est des lettres imaginaires, c'est des lettres que vous avez écrites, composées, que vous avez même lues. Elles n'ont, en tout cas pour moi, rien d'imaginaire, puisque ce sont des lettres que, pour la plupart, il y en a 30 dans le livre, il y en a quelques-unes qui sont inédites pour le livre, puisque elles sont destinées à des gens que je connais dans la vie, alors qu'à l'antenne de la radio, je m'interdisais de parler à des gens que je connaissais. Mais ce sont des lettres à des personnalités qui me touchent à un moment, ou tout court, puisque, par exemple, le chanteur Damien Seize me touche tout court. Valérie Trierweiler, puisque nous en parlions hors micro tout à l'heure, m'a touchée à un moment de sa vie, malgré le fait qu'en règle générale, elle ne me touche pas. Elle a réussi un miracle. Le livre s'est vendu, non pas à prix d'or, mais à chiffre d'or. Le tirage est monstrueux. C'est légitime de s'être défendue comme elle ? Je ne sais pas si elle a réussi un miracle. En revanche, je pense qu'il est légitime de se défendre. Maintenant, est-ce qu'elle l'a fait avec élégance ? Non. Est-ce qu'elle l'a fait avec réussite ? Je crois qu'à 700 000 exemplaires vendus, on peut dire qu'elle l'a fait avec réussite. Oui. Maintenant, est-ce qu'il fallait le faire ou pas ? Tous et toutes, si nous avions subi un affront aussi difficile et aussi violent, on aurait eu une singulière envie de se venger, on aurait eu bien raison. Donc voilà, elle l'a fait. Maintenant, j'espère pour elle, en revanche, qu'elle tourne la page et qu'elle passe à autre chose. Et puis, parce qu'on dit tout, parce qu'on est à France Loisirs, on parlait de Joséphine de Beauharnais et du roman de notre consoeur journaliste qui prend la place de Joséphine de Beauharnais quand elle se fait larguer par Napoléon. Et on disait, on était d'accord, l'altitude, une cohérence, une altitude. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2015, sur les réseaux, on a du mal à avoir de l'altitude ? Je ne pense pas que c'est une question de réseau. Il faut comparer ce qui est comparable. Joséphine de Beauharnais était aussi avec Napoléon. Est-ce qu'on peut comparer l'altitude, puisqu'on reste sur l'idée d'altitude, de Napoléon avec celle de François Hollande? Je ne suis pas certaine, honnêtement. Ce n'est pas le même plan de vol, on va dire. C'est pas le même plan de vol, donc on est à la hauteur au niveau des campagnes. On est raccord. C'est votre côté militant ? C'est en tout cas mon côté révolté, ça c'est sûr. Vous êtes exprimé comme ça sur la scène de l'apostrophe. Nous travaillons, on n'a pas pu assister. Vous êtes contente de votre prestation et de ce qu'on vous a posé comme question ? Je ne suis jamais contente de ma prestation. En revanche, je suis contente du fait que ça correspond à ce que je suis, à ce que je suis dans la vie. J'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas être différente, que ce soit à la télé, à la radio, dans une prestation comme celle-ci, face à vous, ou dans la vie. Ce que je vous dis là, je le dis à mes amis de la même façon. En revanche, j'ai été pas agréablement surprise, parce qu'en 2012, c'était la même personne qui me posait les questions, mais confortée dans l'idée que définitivement, Pascal, j'ai oublié son nom de famille, ça s'appelle Pascal en tout cas, Chouvet, qui m'a posé les questions, est un très bon journaliste et un très bon conférencier, débatteur, je ne sais pas comment on dit, et que vous êtes bien plus scrupuleux en Suisse qu'on l'est en France. Eh ben écoutez, c'est la journée pour les journalistes suisses, même si on est français. Ah, je ne suis pas la seule à le dire. Vous n'êtes pas la seule à le dire. C'est évident. Eh bien, c'est une des qualités que l'on peut reconnaître à la Suisse. On connaît, et c'est l'ami Georges Pope avec les Français
sont-ils suisses ou l'inverse. Merci pour votre visite. Je finis ma phrase parce que j'ai cette habitude. Merci pour ces compliments, ça nous fait plaisir. Merci d'avoir fait cette petite incartade, puisque en fait, vous étiez une exclusivité du Salon du Livre. Merci Tristan Banon. Merci à vous. Et puis à bientôt alors. À bientôt. Merci.